T'avais à sa merci. D'accord, le feu est éteint. Vous êtes en pilote automatique jusqu'à ce que vous vous preniez le mur. Je me trompe, capitaine. Dieu soit loué. Jay... Je suis allé récupérer des trucs de Jay dans la... dans l'ancienne planque à Berlin. De vieux enregistrements, des bricoles. En souvenir. Le petit savait jouer de la guitare, pas vrai? Ouais. Ouais, et il en jouait fort. À plus tard, Wyatt. À plus tard, capitaine. Hé, capitaine. Vous devriez aller voir Seth. Il veut vous faire un check-up ou quelque chose comme ça. Voir comment vous allez, vous voyez? Je pense qu'il est dans son atelier. Seth, il le sait autant que moi. Il sait que je suis incurable. Vraiment cool cette musique, capitaine. Allez, Max. Il est temps. Max, ne sois pas si triste. Je sais que tu aimes Rosa, mais c'est dans l'ordre des choses. Les cochons meurent pour que les hommes mangent. Et nous n'avons plus de nourriture à lui donner. Il reste que de la nourriture pour les hommes, pas pour les cochons. Ok, Max. Ok. Pour l'instant, ton cochon servira pas de nourriture. Et arrête de faire cette tête. Tu sais quoi? La joie est un choix, Max. Souviens-toi de ça. Allez. Souris. Souris. Je savais bien que j'aurais jamais dû laisser Max jouer avec ce cochon. Autant pour le saucisson.
Il aime vraiment ses crayons, Max. Ce foyer est parfait pour nous, Caroline. Tu as toujours pris les bonnes décisions. Bonjour, capitaine. Vous avez l'air déprimé, capitaine Blazkowicz. Gardez l'espoir. Moi, ce qui me manque le plus, c'est une bonne bouteille d'absinthe. Bonjour, capitaine. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce n'est pas un truc, Shimshan. Ce n'est pas un truc. C'est la tête de Shoshana, mon chat siamois adoré, sur le corps d'un sapajou. Regardez-la. Elle ne vous fera pas de mal, Shimshan. C'est une gentille Ingle. Vous savez, j'ai trouvé Shoshana dans la salle du réacteur. Elle y chassait les rats quand nous avons pris possession du sous-marin. Quelques mois plus tard, elle mourait d'un cancer des intestins. Quand je suis tombé sur ce singe, en quasi-mort cérébrale, il mâchouillait un détonateur obélisque. Oh, rendez-moi service, monsieur Blazkowicz. Baissez cette vache. Vous me faites peur. Il ne s'agit pas seulement de mon animal de compagnie. Non, il s'agit sans doute et surtout de mon expérience scientifique la plus réussie. Mais oui, tu es importante. Tu as faim. Tiens, un fichier. Vous comprenez, pour réussir la transplantation d'une tête entre deux espèces, vous devez commencer par relier les colonnes vertébrales. Elle va bien. Et ensuite, harmoniser l'ensemble des systèmes biologiques récalcitrants, qu'ils soient respiratoires ou circulatoires. Ok, j'ai pigé. Épargnez-moi le blabla scientifique. Excusez-moi, on dirait un vieux catch-qué. Votre journée a été longue et moi, je m'excuse. Alors, vous cherchez quelque chose pour dormir, Ingle? Non.
Non, j'ai juste besoin d'être occupé. Une distraction. Oh oui, je comprends. Je comprends. Chacun fait son deuil à sa manière. Mais j'ai la distraction parfaite pour vous, Ingle. Écoutez, il y a quelques jours, Anya m'a demandé de créer un stand de tir pour les combattants à bord. Il est presque terminé. Mais je faisais des essais avec un vieux drone allemand destiné à l'entraînement à la visée. Quand cette verkackte machine s'est muée en Adolf Hitler et a commencé, j'ai dû l'enfermer. Ça vous embêterait d'entrer là-dedans pour détruire le drone ? N'hésitez pas à essayer le stand de tir, vous m'en direz des nouvelles. Revenez me voir quand vous aurez terminé, d'accord? Ok, je vais regarder ça. J'apprécie le geste, merci. Jimson, s'il vous plaît, occupez-vous du drone devenu cinglé au stand de tir. Merci. Capitaine Blazkowicz ? Tu vas m'obliger à courir après.